Bonjour, comment ça va? Bah très bien, il fait beau en plus, il y a le soleil. Alors, je reviens après vous. On vous attendait pas du tout. Elle devait marier. Tu veux donner la fin juste? Il est en bonne appel. Tu connais? Qu'est-ce que tu manges, Jules? Tu manges quoi, Loulou? C'est le Defender. C'est grand pas. Voilà, c'est un rayon qui serait comme des photos sur l'été. Ah oui, c'est vrai. C'est pas possible. Hein. Et encore à la fin de la cérémonie, vous allez la chercher pour collectif de Julien et Justine.
C'est le mari de Camille, hein? C'est le mari d'Alice, c'est Romain. C'est bon ? C'est vrai ? Le nord, c'est là. Il n'y a que des maisons. Et là, c'est le sud de Bastia. Et la voiture est tombée en panne. Tu enlèves tes chaussettes aussi ? Oui. Sur mon choix. Bon alors Christian, comment ça va? Ça va bien. En ce moment exceptionnel, ah, hors norme. Ça va très bien. Bon, c'est bien. Et on a eu un magnifique qui faisait 17-18 dans Mais l'année dernière était... C'est Jeanne, en fait, Jeanne va venir. Et ton père, et ton papa. Regarde un vieux monsieur avec un caméscope. Quand on sera bourré, on donnera des conseils à Gaspard et Jules sur le mariage, sur l'amour, sur le bonheur, ces choses-là. Bon, attends, je pense. Et sur les belles gencives. C'est vraiment important d'avoir des belles gencives. Yeah, faut filmer les gencives. Tu me diras, Thomas.
vraiment dessus. En fait, il faut que je le suive. Si je lance, mais qu'il n'y a pas de réaction derrière, moi je passe pour un chien. Tu sais que j'ai parlé avec tout à l'heure, on parlait des cheveux, tu sais, avec... Pipo. Et genre, son meilleur ami. Et je dis, ouais, bah oui, les cheveux, ça va être... Et après, je lui dis, tu vas pas des cheveux. De mon père. Oui, ok. Mais je lui dis, d'ailleurs, je me rappelle. Non, on a essayé d'allumer. Et comment vous faites pour l'allumer? Pour mettre la caméra ici. Parfait. Moi, c'est pas blanc. Ah ouais? Voilà. Thank you.
Ça s'appelle un drone. Une caméra volante. Une caméra qui vole. Justine ? Non, non. Qu'est-ce pas? Regarde, 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 regarde. C'était pas trop long. Non, mais c'était, il y avait une bonne. Il est fidèle, comme vous l'avez toujours été. Il est puissant, comme le soleil de Trévenoc. Enfin bref, il est magnifique. Chers amis, chère famille, si vous êtes ici ce 17 mai pour célébrer l'amour de Justine et ma modeste personne, c'est que vous comptez énormément pour nous, et je le dis sincèrement, on aurait des histoires à raconter avec chacun d'entre vous, c'est le principal. Vous êtes un peu nos amis, notre famille, nos gars sûrs, notre dream team. Vous êtes le sang de la veine, quoi. On voudrait adresser des remerciements à chacun d'entre vous. On essaiera de le faire tout au long de la soirée. On aimerait aussi avoir un remerciement appuyé à tous les gens qui nous ont aidés ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours ici à faire de cet événement, on l'espère, un joyeux moment qui nous ressemble et qui vous ressemble. Aussi heureux que ce jour peut être, il nous manquera de toute façon nos deux mamans. Toujours. Je suis certain que Sylvie aurait apprécié nous accueillir ici avec Patrick dans ce beau jardin à l'anglaise étendu à la perfection. Faites attention avec vos gros pieds de dégueulasse, parce que Patrick veille. Et une, j'imagine Annie, qui aurait adoré, aux côtés de Thierry, de marier leur fils préféré à une femme aussi remarquable que moi. Le fiancé bouquet, les femmes, si vous voulez vous marier, c'est maintenant. Analyse, c'est les bras. Marine, il y a que Marine qui vous l'a fait. Ah, Marine. Thomas, pose-toi des questions. Thomas, il dit yes. Il y avait que Marine aussi. Ouais, Marine. Là, justement, on a un jardin, en gros. Merci.
Attends. Attends, elle a bavé sur ta tête. Attends, Bien. Il a un body à gauche, je crois. Ouais. Ah bah oui, mais en du coup, t'as enlevé le caca. Mais il a un body, donc faut tout... Pourquoi on... Ça va, Jules? Trois filles pour te changer, c'est pas mal, non? Ouais, tranquille. Allez, mets un côté fort. Bon, faut l'assistante lingette, là. Moi... Les filles, on vous filme. Non, non. Regardez. Bon, alors, comme ce soir, s'il vous plaît, Maria et moi avons décidé d'être très sobre, discrète, et donc nous sommes inspirés d'un... Concise. Inspiré d'un livre pour enfants qui s'appelle Mon amour. Et nous l'avons décliné et illustré grâce à une illustratrice qui a fait le faire-part de Gaspard. Et tu recevras l'original du Brésil dans peu de temps. Et spécial pour lui. Je t'aime quand t'es chaude. Et quand t'es pas chaude. Je t'aime quand je cours dans ta foulée et que je peux enfin te rattraper. Je t'aime par surprise et quand tu me dis que je suis complètement née rosée. Je t'aime quand tu fais des compliments et quand tu t'abstiens. Je t'aime quand tu en imposes. Je suis calme, moi.
le mets avec Kiki, c'est fini. Au début, il était là. Là, il en chauffe. Non, il m'a dit, moi, je dors pas. Il boit les verres de tout le monde. Moins long, chiant à dire aussi, mais il faut de l'émotion, c'est important l'émotion. Toi, tu fais le discours pour Julien ou pour Justine? Ouais, pour moi, ils sont indissociables, hein. Les deux, c'est la famille. Oui, merci. Oui, mais si tu devais choisir, tu choisirais lequel? Romy. Ça, il avait une autre réplique, bon, ça c'est pas grave. Bon, on arrête avec tes jeux débiles, Mathieu, Mathias. Mathias, que met la peur. On a dit qu'on cassait pas l'ambiance. Mais moi je suis ému, et quand je suis ému, je fais des blagues, sinon je me mets à chialer. Non. Pas... Il est mignon, hein. Comment ils vous l'ont annoncé pour eux, ensemble? Donc comment vous l'avez appris? Du coup, je vous signe et vous me dire dans ma garçonnière à Palaiso. Garçonnière, gros lol quand même. J'ai plus le souvenir d'innombrables soirées à fumer des clopes, à manger du saucisson à s'en étouffer, hein Justine? Ou encore à mettre les matchs du PSG du dimanche soir après le rugby en se faisant livrer des gros domacs. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a fait comme soirée à Palaiso? J'ai failli même demander un Louis à Julien. Enfin bref, Justine m'a demandé de garder le secret. Bon, je pense que c'était un secret pour personne, mais moi j'ai respecté le truc. Baptiste, on sait tous que tu sais pas garder ta langue. Tu l'as dit à tout le monde. Ok, c'est vrai. 2 heures après, je l'ai dit à Evan directement. Et je me rappelle, c'est vrai, parce que Julien, ça faisait bien longtemps qu'il nous l'avait balancé à tout le monde. Et pendant un moment, on a fait croire à Justine qu'on savait pas. Alors qu'on savait très bien. Et toi, Cam, tu l'as pris comment? Ben moi, à cette époque-là, j'étais pas trop présent avec vous. J'étais un peu distant et c'était la période de vos soirées folles à l'enfer Rochefort. J'étais pas trop invité, en fait. Je m'invitais pas. Bon, pour moi, Julien, c'était un petit gringalet qui montait en senior. Je le connaissais pas, même s'il était déjà bien installé dans le groupe. Je me souviens surtout qu'ensemble, ils faisaient beaucoup d'expos qui se finissaient par des verres, des restos, voire des nuits, mais toujours entre amis. Non. De là, ce qui se marie 6 ans plus tard. Hein. Et puis un jour, il est venu me voir avec une bière à la main, à la fin d'un match, et il m'a dit, Camille, il faut que je te parle, je sors avec ta sœur. Et c'est marrant parce que c'était évident pour nous, et en vrai, c'était évident pour tout le monde, mais ils nous ont demandé de garder le secret pendant longtemps, et ça nous a mis dans des galères. Oh là 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 là. Pourquoi? Parce que c'est un peu surprenant, parce que c'est vrai que pour un coup, ils sont quand même sacrément des gringos. Je pense à quoi, toi? Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est Julien. Hyper fier d'avoir acheté une enceinte et un micro, qui a passé la soirée à faire des pets dedans, et qui était sacrément fier. Attendez, on a exactement la même, mais un inverse. Le regard désespéré mais amoureux de Julien qui écoute le débat de 4h du matin de Justine après avoir descendu quelques bouteilles de vin rouge. Et là, effectivement, on peut parler d'une vraie passion de Justine pour le sacro-saint Jaja. Le cubit de Buzet par-dessus tout. Nous sommes tous très heureux pour vous. On vous aime du plus profond de nos cœurs. Mais on pense vraiment qu'il est temps d'arrêter de parler. Je suis le fou de plancher de fou. Une paradis de pied dans le ciel. Qui s'appelle Paris. Sur le pion, c'est le cœur de la musique. Et le rêve est le rêve. Et on va l'envie à l'amour. Le ciel est le soleil.
C'est Tonio. Tu le retiens. C'est qui est de la voix. Ah, c'est le plus beau déguisement, je crois. C'est trop beau. Basket Jam. Ça te va comme un bon. Pourquoi il l'a mal dit. Si, Marie-Lise, comment ça te passe super bien?